Yes les amis, c'est Kenshin sur Sokken Games. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur Ori and the Blind Forest. Un jeu magnifique. Alors déjà très joli et avec des musiques somptueuses. Alors si je peux vous conseiller, moi ça a été un coup de cœur, donc faites-le. Franchement il vaut le coup si vous aimez ce genre de jeu. Ça ressemble un petit peu à... Enfin... La façon dont les niveaux sont faits et tout, un petit peu à Castlevania. Alors, je parle des premiers Castlevania, hein, pas les derniers en 3D. Franchement, c'est un jeu, il est quand même super super reposant. Voilà, ça n'a rien à voir avec des jeux comme Dark Souls 3 ou Orc Must Die que vous pouvez retrouver sur notre chaîne avec Sopic. C'est vraiment quelque chose de posé. Alors... Pour la première partie, si vous avez déjà vu la vidéo et ceux qui l'ont pas vu, bon bah c'est juste une petite découverte. On a fait juste le prologue et voilà. Donc là on va continuer, donc je suis aux clairières englouties. Et c'est parti. Alors, appuyez pour ouvrir les compétences. Ah oui, ok, donc déjà. Oui, ok, bon bah j'en ai pas plus hein. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Permet de réutiliser les liens d'armes. La plupart des objets flottent. Ça, c'est cool. Et lancer 3 flammes avant de devoir recharger. Mais par contre, je sais... Pour raviver le lien d'armes. Allez, on y va. Chou. Wouhou. Donc ça, c'est pour tirer. Oui. Ah oui, d'accord. Merde. Ouais, il faudrait que je voie qu'est-ce que ça me... Ah, d'accord. Donc après, je peux... sauvegarder n'importe où. Ok, bon bah allez, c'est parti. Par contre, je vois pas le truc de feu pour l'instant. Ah, c'est super chouette quand même. Bon, par contre, les ennemis repopent à chaque fois. Voilà. Ah, ça c'est chouette qu'ils viennent vers moi automatiquement les. Bah, par contre, pour éviter leur leur tir, c'est pas évident. Ah, je pensais que je pouvais passer par là. Oula. Ah, je me suis bien protégé. Hop. Ah, c'est vraiment... Aïe. Tain, j'avais pas vu, lui. Le lien d'âme est prêt. Mais bien sûr. On pourra revenir au début. Donc là il y a un truc. On pourra revenir au tout début parce que je sais qu'il y a des passages que je pouvais pas avoir. Bon, on va continuer un petit peu. Ah bah oui. Ah bah oui. Et ça c'est quoi ça? Ah ouais. Ok. Ah, c'est le tapette que je fais. Hop. Oh là là, vous avez vu derrière? Ah ok, on peut tirer en même temps que l'on... On cherche pas, hein. On va continuer hein, dans... Ah bon, d'accord. Dans ce côté-là, et après on reviendra peut-être un petit peu en arrière. Ah, ça je suppose qu'il faut que je le tire. Est-ce que ça me touche, si je suis là? Ah voilà. Ok. Ah, petit côté plateforme, ça c'est vraiment sympathique. Allez, dépêche, 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 cours, Forest. Hop, allez, c'est bon. Ah bah voilà. Plaque. On peut monter, non? Oh, ça c'est classe quand même. Oh là là. Je suis comme un gamin quand je joue à ce jeu-là.
Et hop, alors tu as trouvé un fragment de pierre crâne, chouette. Oula, attention. Allez, il va me gonfler, lui, là. Ok, donc là, si j'ai envie de sauvegarder, je peux. Alors, on va aller où? On va continuer, on va remonter. Ok, donc je continue par là et après, je monte. Hop. Et avant qu'il meure, il faut le... Désolé, mais moi je récupère le maximum pour augmenter. Alors là, je peux aller à droite. On va essayer de monter déjà, hein, avant toute chose. Non, on peut pas. Je suis sûr que je peux. Mais... Ah merde. Ouais, je l'aime pas. Hop. Ah ouais, dis donc, il tire de loin là. Attention. On essaye de monter. Ah, j'ai plusieurs coins à visiter quand même. On va essayer de revenir. Voilà. J'essaie juste de voir si je peux passer par là. Hop là. Voilà. Oh, c'est classe. Ah ouais, d'accord. Moi je m'emmerdais un petit peu. Ok, donc là non, là je peux pas. Ok, donc ce coin il est toujours bloqué. Donc là... Ok, en fait j'ai pas besoin de sauter. Ok, donc là c'est toujours bloqué aussi. Ouais, donc faut pas mal attendre en fait pour pouvoir débloquer d'autres coins là. Là j'aimerais bien retourner. Merde. Cette évaluation des distances quand même. Alors attendez, je regarde juste un petit truc. Ouais, il faudra que je retourne tout en bas. Je me souviens plus ce qu'il y avait. Là, je sais pas si ça vaut le coup d'y aller ici. J'avais déjà fait en fait. Ok, allez. Hop. On go. Voilà. Voilà, normalement je dois pouvoir monter. Non. Ah les salauds. Ah, il me faut un autre saut alors. Ouais. Yeah. Ok, donc là on est au début du jeu. Donc je vais essayer de descendre, on va voir. Aïe 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 aïe. Ok, c'est bon. Hop là. Ok, donc ça c'était pour repartir. Là on y avait été. Et voilà. Allez, allez, allez. Hop. Cellule de compétence qui t'octroie un point de compétence. Ouvre les compétences pour utiliser tes points de compétence. Oui, il vaut mieux. Mais ça je verrai un tout petit peu après. Alors, X. Ah oui, d'accord, moi j'ai sauvegardé ici, quoi. Ok, donc il me reste... J'ai deux pierres. Donc on va continuer. Eh ben, on va continuer... On va faire tout le chemin. Allez, hop. Quoique dans l'eau... Est-ce que je peux tomber dans l'eau? Ouais, je pense pas que ça... Non, je peux pas. Ça fait mal. Ok, donc je pense qu'il y aura un truc plus tard pour pouvoir aller dans l'eau. Peut-être. Ah, cette musique. Allez, hop. Il ne reste plus qu'à continuer tout droit, on va aller à l'autre porte directement. Par contre c'est difficile à voir les tirs des ennemis en fait.
qu'il y a tellement de couleurs, ils auraient dû mettre un truc un peu plus noir, je pense. Allez, ouvre-toi. C'est ça. Je peux pas le détruire ça là-bas? Non? Oh là là. Qu'est-ce bonbon? Hop! Hop! Oh dis donc, on dirait du Mario Donkey Kong et Mario quoi. Aïe! Aïe! Bon ça va. J'ai encore mal à du mal. J'ai encore pardon du mal à gérer mon saut. Enfin, comment est-ce que je peux monter sur le... sur le mur, hein. En fait... ouais, on peut pas monter jusqu'au bout, hein, exactement. Ok. Hop. Est-ce que je peux aller là-bas? C'est bizarre. Ah, je le savais bien. Donc, scellé par les esprits du passé, si nous récupérons assez de cellules d'énergie, nous pourrons les traverser. Ok. Allez, on y go. Oula. Alors, je regarde. Non. À mon avis, c'est par là où on va revenir. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, il tire... Aïe. Putain, quel con. Hop. On va aller à gauche d'abord, hein. Allez, salaud. Tout ça pour avoir une petite cellule d'énergie. Hop là. Tac. Ah. Quel con. Mais je l'ai vu trop tard, hein. Désolé. Il me reste quoi comme énergie? Il me reste deux... parce que j'ai du mal à voir. Voilà. Ah merde, il m'en manque un. Ici. Aïe aïe aïe. Oh, putain, il me reste plus qu'un point de vie. Ah oui, il est en bas. Ok. Donc là, il faut que je... oula. Voilà. Ah ouais, j'ai mal joué, hein. Désolé. Ah oui d'accord, il faut le refaire. Alors, hop là. Bon bah j'espère que je vais quand même récupérer. Ah bah si, je devrais peut-être essayer. Waouh. D'accord, bon bah on va faire quoi? Ouais, je vais aller en haut. Ah ça, on va y aller après. Bon, on va y aller hein. Nous fit Maori le récit de sa volonté. Ori, l'arbre aux esprits, il a dû puiser dans le peu d'énergie qu'il restait pour te sauver. Roche, écoute notre histoire, c'était le soir de la cérémonie des lumières. Comme elle aborderait notre éclat. J'appelais en vain mon enfant pour qu'il me revienne au riz. Oh, plein de petites bestioles comme nous. Plein de frères et sœurs. Vraiment joli quand même. Hein. Ah. Oula. Oh, il est un peu malade. Pardon. Ah oui, quand même. Ah ouais, carrément. Ok.
D'accord, donc il a volé le... Un vrai film, hein. Un vrai dessin animé, mais comme un film. Ok, donc en fait, il a piqué le... D'accord, Kuro. Kuro. Tu as reçu la lumière de l'arbre aux esprits, notre soeur, comme la dernière, c'est de la plus haute importance. L'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui à leur tour maintenaient la lune de Nibel et protégeaient la forêt. D'accord, donc le verre et la glace. L'élément des eaux à la cime de l'arbre de Ginzo. Ah bah ça va bien pour moi. L'élément des vents dans les profondeurs des ruines éplorées. Et... Oula, oh, ça va être le monde pourri ça. On est là sur la falaise du mont Oru. Oru, Oru. Pour que Nibel retrouve toute sa splendeur, nous devons raviver leur lumière avant qu'il ne soit trop tard. La première se trouve par-delà de la crique arachnide. Oh, la cime de l'arbre d'où jaillissaient autrefois les eaux. D'où la petite araignée qui nous suit partout. Marée Malépine. Nouvel objectif, trouve l'arbre de Ginzo, allons-y! J'ai sauvegardé, c'est bon? Allez, puis on va augmenter nos compétences aussi. Alors attendez, on va regarder. Non, moi j'ai envie d'aller à gauche. À gauche, à gauche. Tchou! Par contre, j'ai pas compris le truc des flammes là, faut que je regarde un petit peu plus. Non, je peux pas là? Je suis pas assez costaud? Ok, alors attendez, ce qu'on va faire, hop! Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Mais on sait pas quand est-ce qu'on va passer les autres compétences, c'est un peu chiant ça. Ah oui d'accord, il faut que je maintienne B enfoncé pour... Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Augmente la puissance de la flamme spirituelle. Ouais, la plupart des bonus s'affichent sur la carte. Ça pourrait être intéressant. La création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité. Réduit la moitié de coût de la flamme attisée. Ça, je comprends pas encore trop bien. De respirer sous l'eau pure. Ah oui, ok, pardon. Sous l'eau pure. Réduit la moitié. Permet d'exécuter... Ah, ça va être intéressant, ça. Réduit les dégâts infligés. Ok. Alors, je regarde rapidement. Vitalité, la plupart des bonus sont récupérés automatiquement. Ça, c'est chouette. Ok. D'accord. Caché. Ah, c'est sympa, ça. Et ça, c'est... D'accord. Ok. Alors, pour faire simple... Ça pourrait être bien, mais alors dis donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4 pour respirer sous l'eau, 4, 5, 6, oh punaise, ça fait cher. Ouais. Je sais pas, on verra après. Ouais, pour l'instant, moi, vous savez, je suis comme ça. Alors, allons-y. Ah, on regarde le sol instable. Oui, bon bah alors. Hop. Ok. Oh. Oula. Ah oui, ok. Ah ouais, quand même, il commence à être costaud là. Bon bah on va y aller. Hop. Aïe. On a gagné un point de compétence. Ok, ça c'est chouette. Oh dis donc, il était plus costaud le bordel là. Qu'est-ce qu'on fait? Je reste en bas? Allez. Allez dans les profondeurs. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Anneau, l'esprit mort, Risti était fort et courageux. Écoute sa voix, il était capable de concentrer notre lumière. Et bah alors, concentrons. Tu maîtrises la compétence flammatisée. Alors ok, je peux courir, sauter avec. D'accord, donc ça va un petit peu me protéger pour...
Ah d'accord. Ah bah c'est chouette maintenant, on sait qu'on peut passer partout. Bah alors. Ah ouais d'accord, ça bouffe beaucoup d'énergie quand même. Ah oui. Ah ouais d'accord, ok, donc ouais. Ah ouais, ça rigole même pas quoi. Qu'est-ce que ça me donne alors de détruire ces bidules là? D'accord. Ah ouais, mais ça bouffe. Ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe. Ça me dirait bien de retourner en arrière. Bon, je le ferai peut-être hors... hors let's play. Pour faire gagner du temps, quoi. Alors, allons-y. Je peux encore descendre. Eh ben, on va descendre, vous savez quoi. Allez, hein. Hop là, tac, tac. Ouh. Ah, chouette. Tu as trouvé un grand brasier, trouvez un autre pour obtenir des points de compétence plus rapidement. Ça, ça me redonne des points. Oh, wow, wow. Dégage-toi. Hop là, voilà. On va essayer de monter... Ah mince, il y a une autre grenouille en haut. Je le vois. Dis donc, lui, il me voit de super loin, hein. C'est pas mon cas. Dégueulasse. Houlia. Mais alors, y a rien? Il se fout de ma gueule. Ah, vous voyez, là, il me faut le troisième saut. Hop là. Alors, si on laisse enfoncer... Non. Non, non, je veux pas. Merde, merde, merde. Aïe. Ah bah oui, pareil. Comme par hasard. Grotte mystique, bosquet creux. Ah bah d'accord, on est revenu ici. Ok, donc là j'ai tout rattrapé. Bon bah alors on va continuer en haut. Hop là. Ah bah non, je peux plus. Ah merde, c'est con ça. Hop là. J'aime bien quand il me fait ses sauts comme ça. Pourquoi il me le fait pas de... directement? Non, attendez, non, là il faut laisser enfoncer direct. Hop, et après. Hop là. Voilà. Voilà. Ah, dis donc, il y a de la lumière de l'autre côté. Je me demande même. Ah oui, non, ça c'était fait. Yeah. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. On y va, on y va. Hop, hop. Oh là. Ah oui, d'accord. Ok, c'est moi qui suis un petit peu... On peut peut-être passer par là, ou est-ce que ça vous dit d'aller un peu plus... Ouais. En fait, c'est pas vous qui allez me le dire. C'est moi qui vais y aller. Tiens, on va sauvegarder. Hop, voilà. Je me demande si on peut finir le jeu sans sauvegarder. Ça doit être bien, mais alors disons, ça doit être assez long. Je suis sûr qu'il y a des speedruns qui doivent exister sur ce jeu. Ah, bah voilà, on est à la vallée des vents. Ah, j'aurais peut-être dû continuer. Oh là, il y a le... Ah ouais, mais lui, il est costaud, lui, quand même. Ah oui, ils sont quand même costauds. Hein. Alors attendez, je regarde juste un petit truc. Qu'est-ce que j'ai gagné? Ok, la flammatisée. Ah oui, bah on va peut-être aller à droite. Enfin, quoi que je pourrais augmenter mes compétences. Hein. Ça donnera un peu plus de challenge. On va aller au bosquet creux. C'est ici, hein. Il faut que j'essaie de monter. C'est quoi ça? Hop là. Allons. Culé.
Aïe 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 aïe. Putain, j'ai fait mal, ce bâtard. Ah, j'avais pas vu. Là, j'ai mal joué, là. J'ai mal joué. Bon, c'est pas grave. Hein. Au moins, je le sais. Je me doutais que c'est... Ah, okay. Ah, y a un truc à droite. Ah, j'ai mal joué, mal joué, mal joué, mal joué, mal joué. Là, je suis pas content de moi. Hop. Est-ce que je peux le détruire d'un coup ou est-ce que... Voilà. Oh là là, oh ce massacre. Ce massacre. Tu as gagné un point de compétence. Bah, tu m'étonnes avec ce que j'ai défoncé. Hein. Oui mais... Ah oui, on va peut-être le mettre maintenant, hein. M'excusez, hop là. Alors, déjà, je vais améliorer au moins ça. La plupart des bonus s'affichent sur la carte. Une cellule de vitalité. De toute façon, il va falloir que je le prenne, ça. J'ai envie de m'améliorer. Je vais faire ça. Et la création d'un lien... Toutou ! Ah ouais, c'est classe. Alors, elle est où la reine araignée ? Arachnide. Eh ben on va monter, hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est dégueulasse. Bah, je peux pas, ouais. Ah oui, d'accord, ok. Donc je peux m'accrocher dessus. Ok, 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 ok. On va continuer un petit peu avant que l'on s'arrête, mais hop, j'aimerais bien juste aller... Ah mais là, je peux pas m'accrocher, là. Ah bah si, je peux aller là. Ah merde, j'ai plus de... C'est pas grave, on va aller de l'autre côté. Ah, il y en a plein ici, des coins, là. Ok, donc là, il faut choisir le bon. Le lien d'âme est prêt. Je sais pas lequel qu'il faut faire, celui-là ou... Ah, on va faire... Ah oui, celui-là, c'est pour décrocher la bestiole, quoi. Allez, on va le faire. Ou on le garde pour le prochain épisode. On va le garder pour le prochain épisode, là ça fait déjà 26 minutes. Après c'est le temps de d'uploader, hein, vous comprenez bien. Mais vous inquiétez pas, la prochaine vidéo elle va arriver très très rapidement. Donc en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette merveilleuse aventure que l'on va continuer avec plaisir. Laissez-moi un petit pouce, ça serait toujours sympathique. Abonnez-vous, comme d'hab. Regardez notre autre vidéo avec mon pote Sopic sur notre chaîne Socken Games. Si vous avez des petites questions ou autres, hein, ben, n'hésitez pas. Donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, Jana.